Je croyais que vous êtes au courant. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il paraît que Virus Lydia a un problème. Le monsieur, mon frère Baganté là, il paraît qu'il a. Hey, j'espère que je me trompe pas. Excusez-moi. Hein. Je sais pas, j'aurais dû peut-être la. Elle m'a dit qu'elle devait me laisser ça, mais c'est pas si elle est partie. Lequel? Son téléphone même. Il y a Facebook. Et ça me saoule. Oui. Son gars actuel, lui. Elle est partie avec, je crois. Non. Parce que là, je vois pas que ça me saoule. Si elle est partie avec, je vais la mettre dans sa tête. Vérifiez alors, vous nous dites. Il paraît que j'ai vu un truc, on dit que le gars voulait s'apprendre aux enfants. Il paraît qu'il a tapé la tête des enfants, quelque chose comme ça. Il a cogné. Maman, voilà pourquoi la prière, le bon mari. Pardon, vérifiez, vous me dites. Il est bafant, hein. Parce qu'elle dit souvent qu'elle est ma belle-sœur Baganté. Mais comment il est bafant, c'est un gars Baganté. C'est pas un gars bafant. C'est un gars Baganté, c'est pas un gars bafant. Pardon, bipez un peu, inquiétons-nous, il paraît que Virus a eu un gros problème. Attendez, je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Je me suis réveillée, j'ai vu ça, il dit Seigneur Jésus. C'est quoi ça? Seigneur. Elle m'a dit qu'il est Baganté, son enfant est mon dap. Sa fille est un John Bab comme moi. Sa fille est un John. Ce n'est pas un gars bafant. Alors, voilà. Bonsoir la famille. En cette fin d'année, j'ai une confection à faire. Dis qu'il est Baganté. Ça aussi, elle m'a trompé. Sa fille est John Bab comme moi. Sauf si elle m'a trompé. Lisez ce document et après je vous reviens. Mais c'est pas possible. Viens. Oh Seigneur, il faut nous envoyer les bonnes personnes, les hommes. Mon mari, qui est de nos jours, mon ex-mari, a voulu qu'il aime nos enfants âgés de 1 et 2 ans en leur donnant des coups sur le visage. Ici, le procès. Je vous reviens dans 30 minutes. Mais je comprends pas pourquoi le procès est en français. Ou alors ils ont pris un traducteur. Seigneur Jésus. Il a donné des coups sur le visage. Seigneur. Seigneur. Seigneur Jésus. Vous avez vu? Merde, c'est pas possible. Il a donné des coups de poing aux enfants sur le visage. Vous vous rendez compte? Il a donné des coups de poing. Mais je dis, hein, je me trompe ou quoi? Lydie de Jésus. Allez un peu regarder, non? C'est ça, non? Moi, j'ai capturé, c'est parce qu'il l'a enlevé. Moi, j'avais capturé. J'ai vu ça le matin, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Ah, j'espère que je ne dis pas de bêtises, hein. Lydie, ne viens pas me clasher, hein, parce que moi, je suis en train de chercher. Tu as enlevé le poste.
Donc, vous n'êtes pas au courant. Maman, vous me dépassez. Mais elle est sur sa page, non? Ou bien moi, j'avais capturé, je sais pas si elle a enlevé. C'est la capture que moi, j'avais fait, hein? Bonsoir. Rêve, elle a toujours dit qu'il s'appelle Siakam. Et est bafant. Pourquoi elle m'a dit que ses enfants sont sa fille Ndiombo, peut-être avant lui. Elle m'a dit que sa fille Ndiombo comme moi. Elle m'a dit que sa fille Ndiombo. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une confection à faire. Lisez ce document. Mon mari, qui est de nos jours mon ex-mari, a voulu qu'il aime nos mounas âgés de 1 et 2 ans en leur donnant pourquoi donc brancher la caméra sans bien vérifier l'information. Dis-lui, fiche-moi le camp, dis donc. J'ai dit qu'elle l'aurait. Ne me fatiguez pas. J'ai utilisé le conditionnel pour l'aider. Il faut qu'on a l'aide. Si tu n'es pas content, tu es toi en train de porter des critiques. Tu n'apportes jamais des. C'est vous, les mauvaises personnes. Tout à l'heure, j'ai mis le truc de coach à mort. Tu me dis que tu as oublié de mettre entre guillemets. J'ai cité coach à mort. J'ai mis deux points après coach à mort. On met les guillemets, qu'on met deux points. Et là, tu ouvres les guillemets. Tu as vu deux points quelque part. J'ai pris sur un mur. Toujours en train de porter. Dis donc, dégage ma direct de mon direct, dis donc. Les personnes négatives comme ça, elles voient le poste, elles le portent. Non, c'est pas ici. C'est ça, non. Elles voient le poste que tu as fait. Elle ne peut même pas faire un commentaire. Tu as oublié de mettre les guillemets. Tu es mon professeur de français. J'ai fait technique. Je n'ai pas fait la générale. J'ai fait technique. J'ai un G. Je n'ai pas eu le A, B, C comme vous. J'ai eu un bac G. Tu as compris? Donc allez donner vos leçons de moral à vos enfants. Juste que tes enfants chient les fautes de grammaire chez eux. Tu m'as vu mettre deux pour ouvrir les guillemets. Je me prends pour qui? Je dis que fiche-moi le camp, dis donc. On met les guillemets après le point. On met les guillemets après deux points. Si tu veux être mort, défi, on vérifie l'info. On met les guillemets après deux points. Tu as oublié d'ouvrir les guillemets. Je la citais pour ouvrir les guillemets. J'ai pris sur un mur. C'est comme ça que vous êtes. Vous n'encouragez jamais les gens. Quand quelqu'un met sa chose, vous ne dites pas que encouragement. Vous venez toi avec des critiques. C'est pour ça que vous encouragez vos frères. Vous empêchez vos frères camerounais d'évoluer. Quand tu vois un truc, encourage d'abord. Quand tu vois un truc fiévreux, comment d'avoir dit que Seigneur Jésus vient en aide à notre soeur. Ne veux pas dire que tu as lancé la caméra. Tu as lancé la caméra. Ah, c'est ça qui me surprend, Flore. J'ai dit, fiche-moi le camp et je le dis. Je n'ai pas peur de le dire. Parce que je n'ai pas besoin de personnes négatives dans mes directs. Je ne suis pas professeur de français. J'ai fait un bac G. Si tu as fait un bac 4, tu devais être comme monsieur professeur Niamsi. D'accord? Mon bac G ne me permet pas d'être Niamsi. Docteur en philosophie. Mais ton bac A te permet d'être Niamsi. Donc ne fatiguez pas les gens. J'ai fait la technique, je n'ai pas fait la générale. Et je sais que pour mettre les guillemets, il faut deux points avant les guillemets. Parce que tu es en train de citer quelqu'un. Vous voyez qu'on a oublié nos leçons de français. Même si j'ai oublié, ma fille Gloire va me montrer. Ma fille va me montrer. Et en allemand, c'est différent. Ça ne s'écrit pas comme ça en allemand. Le style dactylographique du francophone n'est pas le même style dactylographique de l'anglophone. Le test peut être pris chez quelqu'un qui est anglophone. Vous êtes toujours borné que tout s'arrête chez les francophones. Hey! Il y a aussi un style saxo-anglais. Il y a un style allemand. Ne crois pas que tout c'est français, maman. C'est la 7e langue mondiale. Le français n'est pas une langue. Le français n'est pas une langue. Ne venez pas nous épater avec le français. Le français n'est pas une langue, ma mère. Yes! Le français n'est pas une langue. Allez blaser les gens que vous blasez. Je suis en France et j'ai dit que le français n'est pas une langue. Oui. Alors qu'on pleure que
Papa Paul nous a dérangé. Il devait nous mettre l'anglais partout. Elle vient me dire que tu as oublié les guillemets. Dis-moi qu'il y a une faute de grammaire. Ne devait pas me dire que tu as oublié les guillemets. Yes. Qu'il y a une faute, je me corrige. Elle n'est pas le monopole du savoir. Même ma fille, Gloire, m'apprend des mots en français. Et je lui dis tous les jours que maman, tu dois apprendre l'anglais. Le français n'est pas une langue. D'aller blaser les gens ailleurs avec votre français là. C'est la dernière des langues. C'est pas la dernière. Bon, je reviens à mes moutons. Je me surveille si j'ai vu la capture hier, avant de... Non, de virus. Hein? Merci ma soeur. Tu parles français dans cette tête, puis on ne te regarde même pas. Voilà Mimi Scotch. Voilà mes soeurs. Elle nous blague, nous fatigue avec le français. Dis donc, faites vos enfants apprendre l'anglais. Faites vos enfants apprendre l'anglais. Moi, mais je prie même de déménager dans un coin anglophone, dis donc. Je cherche mes moyens. C'est mon fils qui me coince. Parce qu'il n'est que allemand, allemand, allemand. C'est vrai que c'est, il parle anglais, mais ce n'est pas comme les enfants qui ont commencé dans la section anglophone. Si mon fils parlait, c'est que vraiment, je suis plus là-bas. Le français, c'est quoi? Vous blasez les gens, tu parles un seul. Le français, c'est une langue. Donc, vous êtes sûr que quand vous utilisez le français, là, vous allez aller quelque part. C'est une langue. Les gens réfléchissent comment ils vont même quitter le coin francophone pour aller rester dans les coins anglophones. À cause des enfants, nous sommes coincés. Elle vient nous déranger que tu as oublié d'ouvrir les guillemets. Minalmi. Va dire ça aux gens qui ne sont pas sûrs d'eux. Bon, je vous dis donc que... Eh, peut-être que ce n'est pas virus. C'est... Pourquoi c'est à Créteil? Non, je vais arrêter de le dire. Je me suis trompée. Et qui? Peut-être qu'elle a fait ça pour faire le buzz, hein. Je dis à Mimi, tu as vu un anglophone faire l'effort de parler français. Il ne vous gère même pas. Quand je vais souvent à Paris, ok, je fais les efforts de parler anglais. Mais j'arrive à Londres, personne ne fait l'effort de parler français. Non, ils n'ont pas besoin. C'est anglais où tu laisses, même en Allemagne. C'est allemand où tu laisses. Tu arrives à la poste, tu dis à la dame là que, mais, du biscuit de Beraterine. Du mousse, André, je parle, je prêche. Elle te dit, nein. Ich spreche nur Deutsch. Elle dit, non, je parle calmement parce que j'ai tout dans mon pays. Je ne parle calmement. Elle ne veut pas te chercher que tu dis que parle. Elle dit que c'est quoi le français? Elle me veut demander que c'est quoi le français. Elle me dit de parler anglais. Tu me dis de parler français. Je dis qu'elle, maman, elle me dit, oui, je fous quoi le français. Elle m'a dit que je ne suis pas blasée avec cette langue. Quand vous parlez en anglais, elle va. Quand vous parlez anglais, je suis contente. Mais ne me demandez pas de parler français. C'est le buzz, non? Je savais. J'étais inquiète que mais la fille c'est à quel problème. Pourquoi? C'est le tout de Créteil. Et que mais ma soeur Furie vantait les éloges de son gars. Eh! Ça m'a inquiété, hein. Attendez un peu, je vais lire le tout d'audience ici. Mais comment tu dis que c'est le buzz? Attendez. Ça c'est quoi? Lisez avec moi. Je me trompe. C'est pas son nom ici. C'est pas ça. Quand je vois ma soeur Juliette qui parle anglais avec ses enfants, je l'envie jusqu'à... On vous dit que quand elle vous entend parler français, vous envie. Ouais. Quand Juliette parle avec ses petites filles françaises, je chante anglais, j'ai envie. Pardon, dites-moi alors si c'est le buzz ou bon laisse. Je vais un peu buter virus, je lui dirai mon direct. Je suis inquiète, je vais un peu la buper. Oh, son Facebook là, c'était encore... Mais pourquoi il ne prend pas quand je l'identifie? J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est moi qui ai vu ça hier.
Je ne suis pas habillée, c'est ça que je suis en noir. Je vais un peu, la taguer. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur là? Seigneur Jésus, sa majesté. Pardon. Regardez un peu, vous me dites, s'il vous plaît. Non, Ivaël. Dis-le que tu pars pas live maintenant. Le débat sur Dalice Cameron n'a pas eu lieu. Je connais le faux profil ici. Je t'ai détecté. Je t'ai détecté. Je n'ai pas la personne. Vous voyez comment vous trahissez. Mon oncle n'était pas disponible. Il était trop occupé pour les fêtes. Mais on va le faire. Bonjour Edith Diebou, bonjour ma soeur chérie, bonjour ma Berthe. Ah, vous m'embrouillez, je fais comment je laisse? Alès Barrier, c'est à qui tu es? Can you encourage your kid to speak English? It's very important. Yet I'm doing. Je sais, non, ma soeur. Ma fille va faire anglophone, elle va pas faire allemand, hein. Never. Alès Barry, je vais causer avec mon oncle. Moi-même, je voulais. Je dis, regardez un peu ça. Je coupe le direct. C'est faux. Hein, Juliette? C'est le buzz. Mais voilà le biberon des bébés, non? Je te connais, Alès. Je te connais. Alès Barry, je te connais. Mais c'est sur sa page que j'ai pris, non? Mais tout Seigneur. Attendez, il peut l'appeler. Ouais, Seigneur. Alès Barry est écrit une box. Maman, mets un peu sa, son autre page là ici. Si tu connais sa page, mets un peu sa page. Parce que même hier, j'ai essayé de la joindre hein, via Messenger. Mais je n'ai pas son WhatsApp. J'ai vu ça hier avant de non. Très tard. Mais ça m'inquiète. Bon, c'est pas grave. On parle, parlons un peu d'amour chic. Mais si j'ai capturé, ça y est. Je vais essayer l'appel à jour, on va refaire le direct. Bonjour, s'il te plaît, parle pas de cette histoire. Laisse qu'on la concerne elle-même de ça. J'ai vu sur sa page. Hein. Je suis pas allé dans son inbox. J'ai vu ça sur sa page. Oh. Excusez. J'ai vu ça sur sa page. Je ne suis pas entré dans sa boîte aux lettres. J'ai vu, c'est elle qui a affiché. Je n'ai pas. C'est elle qui a mis sur sa page.
Je suis partie dans sa boîte aux lettres. Ou bien là, son mailbox. Non. Voilà. Bon. Parlons un peu de... Ma fille doit encore, je profite. Parlons un peu de Coach Amon Chic. J'ai mis une publication que j'ai prise sur un mur. Quand on vous dit qu'elle est parvenue, elle est parvenue. Manuela, bonjour. Elle est parvenue. Attendez, vous mettez l'application là. Elle nous insulte, il y a les pauvres lots. Elle dit qu'elle marche avec les premières dames. Maman, on a tous vu la fille là, ici, là, dans ses départs. Si tu es devenu ce que tu es, c'est grâce aux followers, les noussis, qui sont allés mettre un j'aime. Ben, tu as dit qu'allô? C'est pour poser question. Ton français même s'est amélioré. Parce que je vous dis toujours que les gens parlent beaucoup. Mais pour confirmer quelqu'un, son écriture. C'est sa main d'écriture. C'est elle maintenant qui nous nargue. Qui nargue les Emmanuel Keïta. Les filles qui n'ont pas grandi à la pauvreté. Emmanuel Keïta a grandi à la pauvreté. Elle n'a pas grandi dans l'opulence. Mais elle a grandi dans la modestie. Elle n'a pas eu faim. Elle est les cadeaux de Noël à son enfance. Elle est née dans les toilettes modernes. Elle n'est pas née dans les toilettes traditionnelles. Elle connaît l'arbre de Noël depuis étant bébé. Elle sait que depuis petite, on met les cadeaux en dessous de l'arbre de Noël. Il y a les gens qui ont connu ça ici, c'est Mambé. Ils nous empestent les. Oui, il y a les gens qui n'ont jamais eu l'arbre de Noël chez eux au Cameroun. Mambé, ils vont arriver chez toi, ils vont te dire comment tu ne sais pas décorer. Il y a les gens qui n'ont pas connu l'arbre de Noël dans leur salon. Mais les Manuel Keïta, elle connaît ça depuis tout petit. Elle sait qu'il y a les cadeaux. Elle sait qu'on débat les cadeaux. Voilà les coachs à mon chic qu'on a tous vu commencer ici là. Heureusement que YouTube nous garde toujours. C'est elle qui nous insulte. C'est elle qui insulte les Manuel Keïta que vous êtes pauvres. Si tu as connu la première dame, c'est grâce à quelqu'un. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Même la personne qui t'a fait connaître la première dame là, tu vas la narguer. Ce film avec la première dame, ne pas dire qu'on cause avec elle. Ce film avec la première dame, ne pas dire qu'on cause avec elle. Elle se prend les airs hautaines. C'est une parvenue. Elle m'a dégoûté. Et j'ai souvent un sixième sens. Je ne suivais pas les conneries de la fille là. Je suivais coach. Je trouvais que coach Lady était plus instruite, plus outillée. Pour nous parler de coaching. Parce que d'abord, son mari était pasteur, croyez, paraît-il. Je vous dis que la vie qu'on vit, il y a tout dans la Bible. Le mariage, il y a tous les secrets du mariage dans la Bible. La santé, il y a tous les secrets de la santé dans la Bible. Les amitiés, il y a tous les secrets de l'amitié dans la Bible. La vie qu'on vit ici, c'est dans la Bible. C'est pour ça que c'est le livre universel. J'ai commencé à suivre coach parce que un homme qui est rempli du Saint-Esprit, qui a lu la Bible, quand il te parle, regardez bien même les hommes de Dieu qui sont pas là à l'école, quand il vous instruit, quand il vous parle de la Bible, tu as l'impression qu'il a eu un bac plus. Non, parce que la Bible, c'est la plus grande intelligence. Voilà une gare qui est sortie de nulle part. Les gens ont aimé. Comme elle entra à la présidence, elle veut nous piétiner, mais c'est nous qui te piétinons. Maintenant, on a résilié ton contrat. Tu as pris notre frère. Il était ici en Bing. Il vivait sa vie avec ses enfants. Il était dans ses TikTok. Nous, on le suivait sur TikTok. Vous l'avez trompé. Il allait en Côte d'Ivoire. Il a passé nous à la Maca. En isolement. Il est en isolement. Il n'est pas encore à la Maca même. Il est encore en isolement. Il a un mois d'isolement. Ou bien un mois et demi. Et avant que j'aie commencé à le voir. Tu n'arrives même plus à appeler son nom. Tu n'arrives plus à le nominer. On a résilié ton contrat. Ton contrat n'a pas été résilié. Ton contrat est arrivé à expiration. Mais tu leur as servi ce qu'il voulait. Yako, Peter. Voilà les amis virtuels qui t'appellent tous les jours. C'est comment? Vraiment, je t'aime beaucoup. Hein? Je suis tes directs. C'est comment? Je t'envoie 100 euros. Demain, t'envoie 500 euros. Tu crois qu'ils t'aiment trop? Méfie-toi. Il cause avec toi tous les jours. Non, j'ai commenté, j'ai partagé partout. Je t'aime beaucoup. Vraiment, je t'ai fait PayPal. Méfie-toi. Qui pleure maintenant? C'est la mère de Peter. Jusqu'à elle ose dire que vos pardons hypocrites que vous demandez. Coach, qui es-tu, Amon? Qui es-tu vraiment?
Qui es-tu? Quand tu l'invitais à ton émission, tu n'appelais pas son prénom. Maintenant, tu n'arrives même plus à le nominer. Tu n'arrives plus à sortir ton nom. Tu dis ce monsieur. Oh Dieu! Mais tu crois être arrivé. Tu crois être arrivé. Tu as couru. Tu demandes aux gens les 1000 euros pour faire la pub. Une peinture que tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as pas appris ça à l'école. Tu n'as pas dépensé pour avoir cette connaissance. Tu es venu flafoter, on dit quoi? Flafoter les gens sur le net. Pas ton humour, ta manière de faire. Les gens sont abonnés gratuitement. Ils ne t'ont rien demandé en retour. Ils t'ont donné un monde virtuel. Ils sont abonnés à ta page. Maintenant, tu demandes aux gens les 1500 euros pour faire le pub. Tu as pris ce que tu fais là-haut. Tu as dépensé. Non. C'est nous qui t'avons porté. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi. Je dis nous. Les visionnaires. Les regardeurs de vidéos. Tu as porté notre frère. Allez voir son TikTok. Toujours propre, plein de vie. Quand le gars a pris l'avion, il dit à ma copine que comme le gars, c'est pas là. S'il revient, c'est que vraiment, moi, mais peu go dans le pays, là. On dit qu'il y a la Coupe d'Afrique. Il n'a pas fait quoi là-bas? Elle dit que je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je ne m'occupe pas des oiseaux. Bonjour Léaz. Bonjour Vianney, ma chérie. Je ne m'occupe pas des oiseaux. Avec Internet, n'importe qui peut proférer des injures à notre endroit. Des gens même qui ont plusieurs mois d'arriéré de loyer. Toi-même, tu n'étais pas en location. Même où tu as acheté là, tu n'as pas acheté cash. C'est la location-vente. Tu n'as pas acheté cash. Tu dis que les gens qui n'ont pas les, qui ont les arriérés de loyer te parlent. Même Prince Harry, quand il est parti épouser Meghan, Meghan vivait dans un appartement. Meghan est sortie dans les quartiers difficiles des USA pour aller tomber dans le palais de Buckingham. Arrêtez de mépriser les gens. Meghan est sortie dans un quartier difficile des USA. Sa mère se battait pour l'élever. Ceux qui n'ont pas les, ceux qui ont les arriérés de loyer là, tu ne sais pas ce qu'ils seront demain. Tu crois que tu es trop arrivé? Tu crois que tu es trop arrivé? Mais là, tu viens narguer les autres. Vous savez que les gens qui ont né, qui sont nés avec les talents traditionnels, quand tu vas arriver chez eux, ils vont te dire comment? Non, pour toucher ça, il faut mettre les gants. Ce sont le genre de personnes là. Les parvenus des réseaux sociaux. Nous, on a l'arbre de Noël depuis qu'on est petit. Je suis née dans une maison. Quand on m'a accouché, j'étais dans la maison là-dedans. Que vous voyez là. Ils vont nous fatiguer. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Parce que je suis née, j'ai grandi. J'ai grandi dans ça. Que le 24, on apprête les trucs. Le 25. Quand je vois la fille de Coco avec les chaussettes, là, ça me rappelle mon enfance. Les pères cirés avec les chaussettes pliées, là, les chaussons des filles. Ma mère adorait nous porter ça. Avec les robes, Isaora. Tu pouvais porter ma robe. C'était Isaora que tu veux voir. De plus petite. De plus bébé. Hein? C'est elle qui dit que les arriérés de loyer. Donc, quand tu n'es plus en location, tu insultes maintenant ceux qui sont en location. Ma, tu es passé par la location pour aller t'acheter ce que tu as acheté. Et tu n'as pas encore fini. Tu payes un crédit. Tu payes un crédit. Je continue. C'est Internet qui fait cela. Sinon, je ne suis pas camarade de quelqu'un. Je suis une femme stable. Je suis mariée légalement et alors... Et alors, j'ai des enfants, nous on a les enfants. Je gagne très bien ma vie. En France, je ne vis pas en location. C'est toujours comme ça. Quand elles sont en location, elles ne parlent pas des propriétaires. Dès que le propriétaire parle, tu veux te vanter que tu as la maison. Dès qu'elles ont la maison, elles commencent à insulter les locataires comme eux. Les Camerounais, les Africains, les francophones.
Mes sœurs, fuyez les francophones. Cherchez les amis libériens. Cherchez les amis éthiopiens. Cherchez les amis rwandais. Fuyez les francophones. C'est ça qui vous sert. Il ne peut que vous donner l'ingratitude. Quand ils sont en location, ils disent que les gens qui ont acheté l'appartement se vantent. Dès qu'ils quittent la location pour aller acheter leur part de pavillon, ils commencent à insulter les locataires. C'est un conseil que je ne cesserai de vous donner. Que moi-même, je suis en train d'appliquer. J'ai ma copine. La fille de... Comment il s'appelle encore? Oh, comment j'aime le président là. Comment il s'appelle le président de Kenya? Kenyatta. Ma copine chez moi, où je vis, c'est la fille de Kenyatta. Kenyatta, c'est le président du Kenya. Cherchez ce genre d'amis. Fuyez les Camerounais. Parce que dès qu'ils payent le pavillon, ils n'ont même pas encore payé la moitié. Ils ont donné une avance de 30 000 euros ou de 20 000 euros. Ils partent payer le pavillon. L'argent qu'elle a eu sur Facebook grâce à nous, elle paye le pavillon. Elle commence à nous insulter que nous sommes les locataires. Bonjour la plus belle des influenceuses. Elle commence à nous insulter que nous sommes des locataires. Pourtant dans la maison là, il suffit qu'elle tombe là. La maison va rester, va partir. Voilà côte ici, la côte à Monsi, que nous tous on a vu ce début ici là. On a vu à quoi elle ressemblait. On a vu comment elle criait qu'abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner. Dès que tu appelles, tu t'es déjà abonné. C'est elle qui insulte les gens. Vous avez vu Emmanuel qui t'a insulté ses abonnés. C'est l'éducation, maman. Elle est peut-être coiffeuse, on dit quoi, coiffateuse, bluffeuse. Mais elle a une éducation. Mes soeurs, choisissez les amis qui ont l'éducation de base. Parce que le mauvais démon là, ça vient toujours. Il apparaît toujours, quel que soit les cas. J'ai mes copines que j'ai vues grandir. On a grandi ensemble. J'ai vu comment leur mère était. J'ai vu comment leur père était. Même si elle est madame, même si elle est la première dame, elle ne peut pas me blaser. Parce que je connais mes copines. Choisissez vos amis. 2023 arrive. Balayez-moi ces gens. Balayez-moi ces gens. Quand la fille, si, vous dites que sa fille c'est Emma, hein, Emma Lolo, elle va clasher Emma Lolo. Tapez vos mains. Tapez ici. Elle ne parle plus de... On continue la lecture. J'ai... En France, je ne vis pas en location. Lui, je suis propriétaire des loyers en France. Vous êtes tous propriétaires des loyers. L'autre est venu nous montrer, nous mentir ici. Jusqu'à nous a même montré le papier notarié qui prouve que... Facebook. Je suis propriétaire des loyers en France. Je suis propriétaire des loyers en Afrique. Et alors, jusque-là, tu ne me dépasses en rien. Jusque-là, tu ne me dépasses en rien. Tu dépasses ceux qui sont envieuses. Je suis une femme bénie. Ça, c'est bien. Tu es une femme bénie. Comme nous-mêmes, nous sommes des femmes bénies. Le côté là, tu as bien fait de dire que tu es une femme bénie. Mais tu es une femme bénie. L'enfant de Truya à la Maca. J'ai une mère qui ne cesse de me bénir. Ma mère ne vit pas en location à Abidjan. C'est grâce à moi. Il y a au moins 100 millions de femmes qui ont conçu la maison pour leur mère comme toi. Tu n'es pas une exception. Il y a des femmes comme ça qui ont conçu des villas pour leur mère. Elles ont amené leur mère en bain. Toi, elle n'est pas encore venue. Il y a des femmes dont chacun a son level. Chacun à son niveau. Il y a les femmes qui ont conçu la villa à leur mère. Elles ont amené leur mère aux États-Unis. Elles ont amené leur mère en Inde. Elles ont amené leur mère en France. Elles ont amené leur mère en Angleterre. Donc, toi-même, quand tu dépasses d'autres là, il y a d'autres qui te dépassent aussi. Pendant que tu es en train de cracher sur d'autres, il y a d'autres qui crachent sur ta tête. Tu as compris? Nous, on veut notre frère Peter 007. C'est Peter, on veut. Je suis Camerounais, mais je réclame Peter. Je cause avec la première dame. J'ai des caviar, mais tu milliardaire, n'importe quoi. Donc, comme tu
cause avec la première dame. Appelle-la. Tu dis que maman, s'il te plaît, libère-le pour la fin d'année. Tu nous montres même que donc tu as la possibilité de libérer notre frère. Fais-le. Il a les enfants ici qui ont fêté sans lui. Il a sa location qui l'attend. Il a son crédit auto qu'il doit payer. Il a les assurances. Ça fait un mois qu'il n'a pas payé. On a commencé à lui envoyer les manous. Comment on appelle ça en français? On lui envoie déjà les rappels de paiement. On lui envoie déjà les rappels de paiement. Comme tu causes avec la première dame, nous on aime beaucoup la première dame là. C'est notre maman. Appelle-la, tu pleures, qu'elle libère notre frère. Je cause avec la première dame. J'ai des caviars multimilliardaires, des PGD, des PDG, des grandes femmes d'affaires. Tout compte fait, je ne m'occupe pas des oiseaux. Les oiseaux qui ont besoin de graines. Toi-même, tu as besoin de graines. Elle dit qu'elle ne s'occupe pas des oiseaux qui ont besoin de graines. Parce que c'est elle qui distribue ces graines. Tu ne distribues les graines à personne. Mais dans ta famille, il y a ceux qui ont besoin de graines là. Voilà, alors, il pute 00, c'était parti tomber. Les amis du net, on ne cessera pas assez de le dire. On ne cessera pas assez de le dire. Comme tu as le numéro de notre maman, supplie-la qu'elle libère notre frère avant le 31 décembre. Si le gars là reste là-bas l'année-ci, c'est toute l'année 2023 qui va le trouver à la maca. Vous avez trompé l'enfant de Truy. Maintenant, tu n'arrives plus à prononcer son nom. Tu l'appelles le monsieur là. Quand il va rester dans sa cellule, en isolement, on va le faire écouter. On va lui dire qu'écoute ce qu'elle dit. Le monsieur là, ça va encore le. Il va encore déprimer. Ça veut dire que le moral va encore aller plus bas. Il n'a pas besoin de ça. Tu aurais dû te taire. Quand tu es en prison, on te fait écouter ce que la personne que tu crois être ton ami dit de toi. Ça t'enfonce encore plus. Tu dis que quand on aime quelqu'un, on prie pour lui, on laisse Dieu faire. Non! On se bat en appelant, comme tu as le numéro de notre maman, et en la suppliant que maman, s'il te plaît, maman, il suffit que tu donnes un coup de fil, on libère le gars là. Tu dis que les demandes de pardon hypocrites. La demande de pardon de sa mère n'était pas hypocrite. La demande de pardon de son père n'était pas hypocrite. Ce n'était pas hypocrite. La mère là s'est mise à genoux. Je ne sais pas dans quel état elle est maintenant. Je n'ai même pas envie de penser à elle. Parce que ça me brise le cœur. Je ne sais pas dans quel état la mère là est. Sa demande de pardon n'était pas hypocrite. N'appelle pas sa demande de pardon hypocrite. Tu mets le feu, après tu viens jouer au sapeur-pompier. Tu mets le feu, après tu viens jouer au sapeur-pompier. Le gars là va sortir de là. Le gars là partait où? Vous voyez les amis hypocrites. Les parvenus. Qu'une fille, que c'est le monde entier qui l'a élevée. Pour qu'elle soit ce qu'elle est. Mais elle vient nous narguer. Écoutez un peu. J'étais en train de faire un direct. Écoutez le mensonge. Et puis c'est que j'ai appris. Le jour même que j'ai appris. Vraiment. J'étais en train de faire un direct. J'étais en train de faire un direct. Et puis c'est pendant le direct que il y a un que j'ai menteuse. Le jour même que j'ai appris. J'étais en train de faire un direct. J'étais en train de faire un direct. Et puis c'est pendant le direct que il y a un de mes petits qui est venu derrière qui m'a parlé dans mon ethnie, qui a parlé en gros pour dire que ah, il paraît que ton invité a été arrêté. C'est comme ça que j'ai appris.
pendant que j'étais en direct, comme Dieu sait faire les choses, c'est pendant qu'il était en direct là que j'ai appris ce jour-là. Sinon, je ne savais même pas. C'est comme ça, j'ai appris comme ça, en plein direct. Mais Kavia était connectée, puis j'ai appris. Vous n'êtes pas venu. Je suis très désolée pour lui. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon ennemi, mais c'est un frère. Je suis très désolée pour lui. Et j'espère que les choses vont se faire, il sera libéré. Mais vous pensez que c'est en venant sur les réseaux, ah, libéré, je demande pardon, que ça va changer quoi? Demande pardon peut changer quelque chose. Je demande pardon peut changer quelque chose. Je demande pardon peut changer quelque chose. Ça peut toucher le cœur des autorités. Je demande pardon, même quand tu es en plein procès, tu peux demander pardon devant la barre. On a vu Toumba Diakité, qui était l'homme de main de Addis Camara, demander pardon à tout le peuple guinéen. Il a demandé pardon à tout le peuple guinéen. Toumba Diakité. Demander pardon peut changer quelque chose. Qui t'a dit que ça peut pas changer? Qui t'a dit que c'est mauvais de demander pardon? On demande pardon parce qu'on veut notre personne. C'est vous qui l'avez amené là-bas. Demander pardon peut changer le cours des choses. Le pardon libère. Quand on dit le pardon libère, vous croyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pardon libère le cœur. Ça libère la colère. Ça libère l'aigreur. Ça libère la rancune. C'est ça qu'on dit que le pardon libère. Quand tu dis que demander pardon va changer quoi? Ça peut changer. Vous avez amené notre frère là-bas, pourquoi? Il était assis dans son pari tranquille. Maintenant, il passe les fêtes à la maca. Quoi? La comédie, là, ça va changer. Ce n'est pas la comédie. Sa mère n'a pas fait la comédie. La maman est brisée. Sa mère est brisée. Comme toi, tu ne sais pas de quoi demain est fait. Vous êtes souvent sûr que vous êtes trop arrivé. Qui vous a dit ça? Le petit souffle de vie, s'il vous trompe. Quand je suis entrée dans la chambre de ma mère, j'ai vu comment elle avait repassé ses slips. Elle avait posé sur son lit. Elle partait pour revenir. Elle ne partait pas rester. Elle avait repassé les slips. C'était plié sur son lit. Elle ne partait pas à Banganté rester. Le souffle de vie vous trompe trop. Les réseaux sociaux. J'ai dit que quand une femme fait comme ça, vous désabonnez de sa page. Et ça a commencé. Les écalans ont été faits lire. Et elles ont raison. Elles ont raison. Tu partais qu'on l'humilie. Tu dis que l'hypocrisie. Tu n'as pas vu la vidéo de la mère là, ma soeur. Tu n'as pas vu la vidéo de la mère de Peter, comment elle était brisée. Comment un père pleure. Il se met à genoux. Il pleure. La mère perd même les mots. Tu dis que l'hypocrisie. Tu dis que l'hypocrisie. Donc vous êtes là, vous êtes là. Jusqu'à ce que tu boites les gens, que tu t'amuses à être enfermé. Tu peux m'enfermer. Je reste en prison 50 ans. Mais tu pars avant moi. Enfermer quelqu'un ne veut pas dire qu'on a gagné sur sa vie. Il y a les gens qui ont envoyé les gens en prison. La personne arrive en prison. L'autre est resté. On a mis RIP. Mais la personne est restée en prison. Envoyer quelqu'un en prison n'est pas gagné sur sa vie. Arrêtez de faire peur aux gens. Vous exagérez. Si vous avez les millions de followers, comme les Nigériens, les Ghanéens, on ne va pas respecter. Vous avez même vu les influenceuses nigériennes. Les Ghanéens n'ont même pas 1 million de followers. Elles nous narguent déjà jusqu'à. Elles ont seulement les 1 million. C'est elles qui ont 1 million et plus. Les influenceuses nigériennes ont les 6 millions, 7 millions. Mais tu ne les vois jamais venir narguer. Il y a une petite fille là, nigérienne. Vous l'avez vu venir narguer les gens. Vous l'avez vu venir narguer les gens. Elle est d'abord danseuse de profession. Vous l'avez vu narguer qui? Les Ekalan. Maintenant tu dis que ton contrat a été résilié. Non. Tu as fini ton affaire avec eux. Tu leur as donné la personne qu'ils voulaient. Tu as fini avec eux. Yaï. Non. Méfiez-vous des gens. On est dans un pays de loi. S'il y a quelque chose, on prend des avocats et les choses se passent
comme la loi le demande. Je suis obligée de faire ce qu'on me demande. Hein? Hein? Et même quand j'ai reçu ce monsieur. Ce monsieur. Tu ne connais plus son nom. J'ai reçu ce monsieur. Tu ne connais plus son nom. Donc maintenant, c'est ce monsieur. Tu ne connais plus comment il s'appelle. Tu ne peux plus le prénommer. Tu ne peux plus le prénommer. Maintenant, c'est ce monsieur que tu as reçu. Tu ne connais plus. Adama. Ouh, on va arriver. Donc maintenant, c'est ce monsieur. Tu ne le connais plus. Tu es la présentatrice. Tu pouvais dire que tu ne veux pas de lui. Tu pouvais dire que tu ne présentes pas l'émission s'il passe. Tu pouvais le dire que non. Pourquoi c'est après son passage que le contrat est résilié? Pourquoi c'est après son passage? Tu pouvais refuser de passer. Tu pouvais lui dire que gars ne vient pas. Tu pouvais lui dire que gars ne vient pas. Je ne suis pas responsable. Hein? Yako, Peter. Malheureusement, nous les négos, on est méchants. On est mauvais. Là, tu es la première. On est sorciers. Tu es la première. Sinon, quand j'ai reçu ce monsieur sur mon plateau, les gens ont vu comment j'ai défendu la femme. C'est faux. Je n'ai pas défendu la femme parce que j'ai eu de son amitié. Allez écouter, moi je n'avais pas écouté ça. Allez suivre le direct là. Tu n'as pas défendu la femme. C'est faux. Au contraire, tu as appuyé même qui parle encore plus. Tu n'as pas défendu la femme. Tu l'as menée pour humilier cette fille. Dans le clash entre cette fille et Peter, moi je supportais Peter. Parce que l'enfant le trouille, il est venu embrasser Chéché. On n'a pas l'escroquer. Mais tu l'as amené là-bas pour humilier l'Angala. Tu l'as amené pour humilier Eka. Tu allais suivre le direct. Tu ne l'as pas défendu à aucun moment. Arrête de mentir. Je n'ai pas défendu une femme parce que j'ai envie qu'elle me regarde. J'ai envie de son amitié. C'est faux. Ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. C'est tout comme ça que vous êtes. Ça m'intéresse. C'est tout comme ça. C'est tout comme ça que vous êtes. Les amitiés, elles ne vous intéressent jamais. Mais c'est vous qui invitez les ennemis à vous sur vos plateaux. On connaît vos paroles là. Ça ne m'intéresse pas. Les amis ne m'intéressent pas. Les machins ne m'intéressent pas. On vous connaît. Ça ne t'intéresse pas. Mais tu as invité son ex sur ton plateau. Quand tu as invité Langa de... comment s'appelle la petite femme de Arafat. Samen. Quand tu as invité Samen. Sama, oui. Quand tu as invité Carmen. Quand tu avais invité Carmen. Après Carmen, pourquoi tu as invité sa belle-mère? Pourquoi après Carmen, tu as invité sa belle-mère? Qu'est-ce que tu as dit à sa belle-mère? Tu voulais qu'elle parle. Et la belle-mère aussi parlait. Heureusement qu'après, elle s'est ravivée. Après, elle s'est excusée. Quand tu as invité Carmen, pourquoi après Carmen, tu as invité sa belle-mère? Tu dis que relation entre belle-fille et belle-mère, on vous connaît. On vous connaît. C'est vous. Vous êtes prête à marcher sur le corps des gens pour vous faire une place sous le soleil. Mais ne crois pas que tu es arrivé. Ne crois jamais que tu es arrivé. Non. Ne crois jamais que tu es arrivé et que tu dépasses les gens. Tu ne dépasses personne. On a vu comment tu as fait avec la maman d'Arafat dans ton live. Dans ton émission. Tu voulais qu'elle humilie Carmen. Tu voulais qu'elle humilie Carmen. Et tu jouais le jeu. Tu n'as jamais protégé la femme. On est tâteur. Avant, on dit qu'on est tâteur. Tu mens. C'est faux. Mais là, tu n'arrives plus à prénommer Peter. Tu dis ce monsieur que tu as protégé la femme menteuse. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Moi, mais il y a déjà trop d'amis. Hein? Je ne cherche pas la fille. Je ne cherche pas à avoir fille. Moi, mais il y a trop de filles. C'est comme ça qu'elles sont. Donc, pourquoi je vais faire quelque chose parce que je veux l'amitié de quelqu'un? Dis pourquoi. C'est comme ça qu'elles sont. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Ah oui, elles sont toujours là pour les mots là. Elles sont toujours là. Je ne cherche pas l'amitié de quelqu'un. Elles sont toujours là pour ça. C'est leur mot. Quand tu cherchais l'amitié d'Emma, on a tous vu comment tu as cherché l'amitié d'Emma ici devant nous tous. Nous sommes tous témoins. Et depuis que tu as connu Emma, tu as pris de l'envol. Donc laisse aussi les gens s'accrocher à quelqu'un pour prendre de l'envol. Quand tu as connu Emma, on a vu comment ta vie a commencé à changer. Personne n'est venu te porter de critiques. Personne n'est venu t'insulter que Emma te donne des graines.
Oui, on a tous vu. Coucou, je vous rappelle, je vous prends dans 5 minutes. Si maintenant, c'est le plan. Tout ça sont les approches marketing. Tout ça sont les techniques marketing qu'elles ont appris dans le tas. Les techniques de Fair Woman. Elle parle maintenant au téléphone. Tu vas croire que c'est vraiment le coaching qu'on l'a appelé, qu'elle doit passer pour coacher une famille, qu'on l'a booked. Tu vas croire qu'on l'a, comment dit ça en anglais? On l'a booked. Tu vas croire qu'on l'a réservé pour parler de coaching à une famille. Pourtant, elle a été parlé au téléphone, parle seule. Les bêtes, les moutons vont dire que donc, elle peut me faire les coachings privés. Ils vont aussi aller donner là-bas 1 500 €, 2 000 €. Ton coaching, c'est dans ta Bible. Il y a tout dans la Bible. Et tu veux réussir ton mariage, tu as le secret chez toi, c'est ta Bible. Tu n'as pas besoin de coach qui vient dire aux gens que c'est elle qui donne les graines pour nous nourrir. Vous n'avez pas besoin de ce genre de coach. Le vrai coach du mariage est dans votre maison. On appelle ça la Bible. Si vous voulez, venez et vous donner les livres. J'écoute ça chez les hommes de Dieu. Moi, je ne connais pas. Je vais vous donner les livres qui vous parlent du mariage. Le secret entre nos mains, mais on va tout chercher ailleurs. Le laboureur a dit à ses enfants que ne pars pas labourer ailleurs. Dans la maison, laboure, tu vas trouver ce que tu cherches. Le trésor est caché là-dedans. Le trésor est caché. Comme elle appelle là, vous croyez qu'elle parle avec quelqu'un? C'est faux. C'est un monologue. Oui, à tout maman, tu t'es réveillée. Excusez-moi, j'ai un rendez-vous coaching. Je l'ai suivi. C'est comment, maman? Demande ton Houston Zaf. Tu t'es réveillée, maman? Tu veux boire milk? C'est ça qu'elles font. J'ai un rendez-vous de coaching. Et elle dit ça un peu rapidement. Elle bouge là par les yeux. Elle dit ça une minute. Elle dit ça une minute éclair. Une seconde éclair, j'ai un rendez-vous coaching, mais le message est à passer. Viens, maman, viens. Eva, donnez-moi le Houston Zaf de Loulou là. Le sirop là. C'est sur la table là. Le message est à passer. Il y a les moutons qui vont tomber. Donnez-moi le rendez-vous coaching. Ils vont dire que 300 €, 500 € une heure, 1 000 € 2 heures. Les 1 000 € là, c'est dans ta Bible. Qu'on ne vous trompe pas. Suivez les hommes de Dieu. Vous aurez le secret du mariage. C'est là-bas, maman. C'est là-bas. Cherche pas l'amitié de quelqu'un. Cherche pas l'amitié de quelqu'un. Et les gens ont vu, pendant l'émission, j'ai défendu la femme. Du début jusqu'à la fin. Tu n'as défendu aucune femme. J'ai permis, en fait, au monsieur de s'exprimer, de dire tout ce qu'il devait dire, tout ce qu'il voulait dire. J'ai empêché le monsieur. N'importe quoi. À chaque fois, je le coupais. À chaque fois, je le coupais. Les gens trouvaient même que je ne le laissais pas parler. Oui. Parce qu'en tant que femme, c'est pas sur mon plateau qu'on allait venir dénigrer une femme. Je t'arrête tout de suite. Il a dénigré la femme. Je t'arrête. Mais je te... Maman. On va prendre le Houston Zaf. Il y a des vitamines C ici qu'on a. Si vous vivez en Allemagne, donnez souvent ça à vos enfants. Je vais leur montrer ça. Ils vont voir ça comment. Elle dit que c'est pas sur mon plateau qu'on va venir dénigrer la femme. Vous mentez. Oh, il a bien dénigré. Moi, je n'étais pas content. Il a bien dénigré, bien même. Donc, ne va pas nous faire croire que tu l'as sauvé. Il a bien dénigré, ma soeur. Vous êtes des hypocrites. Il a bien dénigré Eka sur ton plateau. Tu as invité Eka, tu as fait le même schéma. I will not give her drug. Elle ne t'a pas demandé qu'elle a des problèmes. Je ne lui donne rien. Il y a quand on donne même les prescriptions médicales, il y a les heures. Va te faire foutre. Tu ne me dis pas comment élever mon enfant. Tu ne me dis pas comment élever mon enfant. Toi, chez Marie, là, tu es la plus dangereuse. C'est vous qui prenez les enfants des gens. Vous faites des pratiques occultes sur les enfants des gens.
Pété a chassé partout derrière moi, mais tu es toujours derrière moi. Tu veux qu'elle t'envoie quoi? La photo de ma fille? Elle vient de se réveiller, elle ne peut pas prendre son sirop maintenant. Non, elle va d'abord boire son lait. Quand j'ai élevé mon fils seul, il a 13 ans aujourd'hui, tu es avec moi. Tu es qui pour me donner les conseils? Tu m'aimes trop? Tu m'aimes trop? Quand j'ai porté ma grossesse ici seule, je marchais seule. Je partais là, mais tu seule. Je suis partie accoucher en plein coronavirus. J'étais seule à l'hôpital. Tu es avec moi. Et là, je n'ai que mon Dieu. Je ne vous connais pas. Tu es avec moi. On a dit qu'on donne les médicaments comme ça. Il y a des soeurs. Please give that child truck. Tu l'aimes trop. Tu l'aimes trop. Avant d'aller commenter, on l'insulte. Bande d'hypocrites. Tu viens en faux profil. Tu as fini d'insulter ma mère. Depuis qu'elle t'a envoyé son corps dans ton inbox, tu n'as pas encore ouvert. Ouvre ton inbox. Il y a son corps qui t'a envoyé dans son cercueil. Comme tu voulais trop la voir, elle t'a envoyé ça en genre. Chez Mary, open your inbox. Va vérifier ton inbox. Tu as fini d'insulter ma mère dans tous les directs. Maintenant, tu fais comme si tu aimes ma fille. J'aime ma fille plus que personne. Et je n'ai pas peur du social. Allez signaler. Ils vont vous dire par quoi je suis passée. On ne m'influence pas. J'ai élevé mon fils seul. Je vous ai montré l'activité qui s'est faite. Je ne suis pas angry. Je ne pourrai jamais me fâcher. Je ne me fâche pas. Mais je dis la vérité que vous n'aimez pas entendre. Vous avez fait ça aux femmes. Elles ont peut-être été déstabilisées. Moi, vous n'allez jamais. Et je vais tout vous répondre. Je n'ai pas tant que me dire comment elle va gérer mon enfant. Bonjour, ma Simonie. C'est pas toi qui va me dire. Arrêtez de dire aux femmes, j'ai élevé mon fils seul. Je vous ai dit qui c'est. Il a fait le piano. Il a joué au foot. Qu'il pleuve, il neige, il soleille. Je l'accompagne aux entraînements. Seul. Je n'ai pas besoin d'un homme à mes côtés. J'étais seule. Vous avez compris? J'étais seule. Et ça ne me dépasse pas de faire pareil pour ma fille. Donc, je n'ai pas besoin de t'advice. Je n'ai pas besoin de t'advice. Tu as les membres de ta famille qui ont besoin d'aide. Allez donner les conseils à vos familles. Vos enfants sont dans les maisons, sont têtus comme les têtes d'âne. Allez leur donner les conseils. Têtus comme les ânes, les ânes. Allez leur donner les conseils. Parce que nous-mêmes, la puberté, nous laisse pas avec les enfants. Donc, je vais me dire que donne les médicaments à ta fille. Tu l'aimes trop. Et puis, tu pars commenter ou on l'insulte. Tu as insulté ma mère dans tous les directs. Ouvre ton inbox et t'as envoyé sa photo. Enjoy. Va enjoy la picture de ma mère qui t'a envoyée. Donc arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens. Les gens ont des problèmes, hein. On a les vrais problèmes. Vous avez compris, non? On a les vrais problèmes. Donc, please stop disturbing me. I'm begging you. Chaise. Elle m'a fait, j'ai même raté mon code. Voilà un enfant qui est en prison. Il a laissé sa maison. On fait le direct. Ça peut tomber même dans les oreilles de la première dans la pitié de lui. Vous dites qu'on ne doit pas parler. Oh, ma Sylvia. Bonjour, ma chérie d'amour. Voilà Peter de eux, c'est ce qui est à la maca. Voilà Pifo qui est en prison. Il a fêté Noël en prison. On ne doit pas faire le direct. Pour leur dire que non, on pense à vous. Quand il écoute un direct comme ça, où on parle, on le soutient, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on dit qu'il y a une fille qui a fait un direct. Peter 007, quand mon grand frère est saoulé, va lui dire que la petite fille bien, il a fait souvent le direct penser à toi. Ça va lui faire chaud au cœur. Rien n'est perdu. Ça peut lui faire chaud au cœur. Moi, mais je peux aller demain, mais je vais jamais aller en prison au nom de Jésus. Vous faites le direct pour me soutenir. Si on me dit que 10 personnes ont fait le direct, 7 t'ont soutenu, 3 ne t'ont pas soutenu. Je ne vais jamais écouter le direct des 3 personnes qui m'ont pas soutenu. Je n'écouterai que ceux qui parlaient en bien de moi, qui m'envoyaient des ondes positives, qui m'envoyaient leur amour. Maman, j'ai accouché en plein coronavirus, seule. Il est tout en prison, ma chérie. Je te jure. Puis, il n'est pas sorti.
Ça fait mal. Hein? Langassé a fait le même schéma. Elle a invité Carmen Sama. Carmen Sama aussi partait en croyant que non, elle m'aime beaucoup. Dès que Carmen a tourné le dos, elle a invité la belle-mère de Carmen. Elle a invité la belle-mère de Carmen pour qu'elle vienne saquer Carmen. Elle invite Emma. Emma aussi, non, Eka. Eka aussi part croyant que non, vraiment, vraiment, c'est sûr qu'elle m'apprécie beaucoup. Dès que Eka tourne le dos, elle invite l'est de Eka pour la saboter. Elle dit que j'ai soutenu la femme. À nos frères qui sont en prison. Mais j'étais obligée de recevoir l'invité parce que il est venu pour ça. Mmh. La télé l'a fait venir, c'est pour ça. Mmh. Mais je ne pouvais pas arrêter, je ne pouvais pas empêcher, mais j'ai permis à ce que le pire n'arrive pas, qu'il ne dise pas des choses. Mmh. Des choses. Très sales. Des choses très sales. Du début jusqu'à la fin. Des choses très sales. Tu veux nous faire savoir qu'il a les choses très sales sur elle. Ils ne disent pas quelque chose de très sale. Quelque chose de très sale. Elle a une belle enfance. Donc elle n'est pas blasée par vous qu'elle a acheté les pavillons, qu'elle a acheté les machines. Elle a une enfance bien. Elle n'a pas besoin de dire que je vais acheter. Elle n'a jamais acheté ses followers. Comme toi, tu nous insultes, nous les followers. Voilà notre frère en prison. Voilà Pifou là-bas en prison à Neubel. Voilà... Peter 007, en prison à la Maca, en isolation. Tu viens, tu parles, même pas un regain de regret, de compassion. Tu parles tout au thème. Vous croyez que la vie est finie? Vous croyez que ta vie... Tout se paye ici-bas. Tout se paye ici-bas. J'ai défendu la femme, mais malgré ça, les moutons ont traité d'hypocrite. Hypocrite de quoi? Tu es hypocrite. Moi, hypocrite de quoi? Tu es hypocrite. Sur la toile, quand on dit qui n'est pas hypocrite, voilà ça. Non, bah, tu es hypocrite. Ne mélange pas. Tu te mets. Voilà, voilà, voilà le mot. Hein. Hypocrite. Voilà le mot, voilà le mot, voilà le mot. J'ai défendu la femme. Voilà le mot. Ce jour-là, quelques... Voilà le mot, je ne me mélange pas. Voilà le mot, je ne me mélange pas. Mais quand elle part au Château Rouge, acheter le poulet, le gombo, le okro, le... Voilà le mot, je ne me mélange pas. Quand elles ont un peu commencé à réussir, là, je ne me mélange pas. Toi, la femme que c'était, j'allais la défendre. Parce que je suis une femme. Mmh. Et sur les réseaux sociaux, Dieu seul sait comment je milite pour la femme. N'importe quoi. Dieu seul sait comment je défends la femme. N'importe quoi. On dit elle est hypocrite. Hypocrite. Moi, hypocrite. Pour gagner quoi? Tu es la première hypocrite. Tu es la première. Je suis hypocrite pour gagner quoi? Je cherche quoi? Mmh. Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. C'est ça. Sur la toile, tout le monde connaît ma fille, c'est Emma. Mmh. Je vais faire quoi? Donc, comme ta fille, c'est Emma, tu as fait exprès d'inviter l'autre. Tu l'aimais trop. Tu voulais la descendre. Comme ta fille, c'est Emma. Et qu'elle ne s'entend pas Emma. Moi-même, c'est Emma que j'aime beaucoup. Mais disons-nous la vérité. Tu as fait exprès de l'inviter pour descendre comme ta fille, c'est Emma. Oui. Comme sa fille, c'est Emma. Mais là, ma fille, c'est Emma. Pour être hypocrite. De quoi? Pour gagner quoi? Hypocrite. Malgré ça. Malgré ça, malgré que du début jusqu'à la fin, j'ai défendu la femme. J'ai essayé de minimiser tout ce qu'il disait. Et à chaque fois, je disais même que même, moi, mais je suis une femme, mais ça fait quoi? Nous, les femmes, voilà ça, c'est ce qu'on fait. Tout ça, en fait, pour dire que une femme ne peut pas être parfaite. Mais malgré ça, il y a des moutons. C'est toi le mouton. Qui ont osé prendre la photo de ma fille pour mettre sur leur, dans leur groupe, sur leur page, pour maudire ma fille, pour dénigrer ma fille, malgré ça. C'est pas, vous mentez trop, montre-nous la page là. Vous mentez là, trop. Là, j'ai compris un peu le problème du dérangement un peu de certaines personnes. Parce que pourquoi ne pas m'attaquer moi et attaquer ma fille? Qu'est-ce que ma fille a à voir là-dedans? J'ai compris un peu que c'est un autre système de haine, de d'instabilité. Elle connaît quelque chose. Parce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. On ne elle connaît quelque chose sur la règle de Peter. Moi, je n'ai même pas écouté son émission. Moi, mais je n'écoute pas. Il faut réfléchir. Il faut voir les choses. Il faut écouter les choses. Les moutons n'ont même pas écouté. Mais, oui, elle est hypocrite. Elle est moins hypocrite. Moi, hypocrite. Quand vous le regardez là, il peut être hypocrite. Mais est-ce qu'on voit
Je dis, mais je dis, est-ce qu'on voit ça sur le visage? Quand vous me regardez, les pères hypocrites, est-ce qu'on voit ça sur ton visage? Est-ce que l'hypocrite se dit hypocrite? Tu es une championne dans l'hypocrisie. Tu es une championne. Sinon, Pete, tu n'allais pas se retrouver, il se trouve là. Ma, disons-nous la vérité vivante. Tu es une championne dans l'hypocrisie. Ne nous mentons pas. Quelqu'un qui a des caviars, qui sont des PDG, des multimilliardaires, des femmes d'affaires millionnaires. Je cause avec ce genre de femmes-là tous les jours. J'ai fait quoi avec amitié des réseaux sociaux jusqu'à on va me traiter d'hypocrite. J'ai voulu défendre la femme, on me traite d'hypocrite. Oui, à la télé, on est hypocrite. À la télé, on est des acteurs. À la télé, on est hypocrite. Sinon, hypocrite, il ne peut rien gagner ça. C'est pas moi. C'est toi. Je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Ah, tu as cherché pour aimer mon avis. Je ne cherche pas à être ennemi de quelqu'un. Je n'ai pas d'ennemi, je n'ai pas d'amis. Voilà. Et des gens encore très irréfléchis. Ces arabes là vraiment, ils appellent les gens en appel vidéo. Attends, vous voyez les amitiés. Mais là, il dit que lorsque vous disiez qu'en hiver il faut donner ça aux enfants, je vais vous montrer ça après, je vais faire un autre direct. Mais là, il dit qu'elle n'est pas hypocrite. Mais Pete, quand Pete partait là-bas, tu ne lui as pas dit, vous avez donné garantie, vous lui avez dit que tout est propre, vous lui avez dit qu'il n'a pas à s'inquiéter, vous lui avez dit qu'il n'y a pas de souci, que vous avez causé avec tel. Dès qu'il est arrivé, 2 jours après être passé à l'émission, vous avez pointé vos dos le lendemain, au petit matin, on est venu toquer à son hôtel, on l'a pris. Le lendemain, au petit matin, on est venu toquer à son hôtel, on a tout pris. Et c'est fini. Il va passer devant un juge. On ne sait pas quand il sortira de là. Il n'y a que la puissance de Dieu. Comme Babo avait dit, que quand ils m'ont amené, il ne savait pas qu'il va rentrer. Mais le Seigneur m'avait chuchoté à l'oreille que mon fils, Koudou, tu rentreras sur ta terre. Quand il m'amenait, il était sûr que je n'allais plus venir. Mais ils sont surpris de me voir là. C'est ce que mon président a dit. Ils sont surpris de me voir là. Ils n'en reviennent pas. Il n'y a que la force divine qui pourra nous ramener Peter à Paris. Il n'a pas encore la nationalité. Il n'a même pas encore 10 ans. Hein? Ouh, le gars là chaud. Il n'y a que la force divine. Les amis d'hier n'arrivent même plus à prononcer son nom. On l'appelle maintenant monsieur là. On n'arrive même plus à prononcer son nom. Non, vraiment, les réseaux sociaux. Mes soeurs, quand on vous dit que faites attention des réseaux sociaux, vous croyez qu'on vous ment. On voit que les problèmes commencent sur les réseaux sociaux. Non, ça commence dans la vie réelle. Ça vient terminer sur le virtuel. Ça vient terminer dans le virtuel qui est méta. N'acceptez pas l'injustice. Surtout vous les mères d'enfants. N'acceptez jamais l'injustice. Qui m'envoie le message là? Et que? Ah bon? Hein? Donc la fille est gauche sur Facebook. On dit qu'on me bip partout que Lolo a fait quoi? Et que? Ah bon? Allô? Elle a fait un direct. Ah bon? Oh, je vois pourquoi les gens m'envoient beaucoup de... On me signale depuis que les gens m'ont identifié. Et c'est Facebook qui m'a fait quoi? Ça dépasse quoi qu'on a vu sur Facebook? Non. Elle m'a pas dit ça. Oui. Non. Ok, d'accord, tout à l'heure. Ah bon? De quoi les gens me bipent partout? Et c'est quand elle va aller sur Facebook qu'il y aura quoi? Que ça va faire quoi?
ça va changer quoi? Facebook va faire quoi? Ils vont parler, ce mec sera fini. C'est le tribunal. Laissez-moi aller vérifier l'info si il revient. Et alors? Je crois qu'on m'a tagué partout, partout. Et alors? C'est en allant sur Facebook que ça va changer quoi? Ça va faire quoi? Ils vont faire quoi à qui? Au contraire, tu leur donnes les vues. Tu leur donnes encore l'argent. Elle va faire quoi à qui? Va voir chez... Maman, ne prenons même pas son nom ici. Elle va même faire 100 000 posts. Maman, excuse-moi de supprimer ton commentaire. Excuse-moi, ma chérie. Ah ah. Je comprends pourquoi on me bip partout, partout. Ah bon? Ok. C'est quand elle va amener sur Facebook. Elle va faire les posts, elle va écrire. Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Ne fatiguez pas les gens. Les mêmes schémas, vous n'avez pas de solution. Tous ceux qui sont venus avec leurs problèmes, ils ont quelle solution? Hein? Ça va faire quoi à qui? Ça va faire quoi à qui? On me dit qu'elle a fait le direct. Non, pardon. Je m'en vais. Ça me fait même trop là. Elle, c'est qui? C'est là alors que, ma chérie, tu as mené alors notre dossier que chacun va tuer sa part sur Meta. Janvier là, les gens auront les dos parce qu'ils vont faire direct sur direct. Et pendant qu'ils font les directs, ils pointent les dos. Moi-même, je vais aller sur la part et le mariage ta attitude pour te répondre. La veuve veut pointer. Point bas! Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus le direct, Joe. Où est-ce que l'argent j'en gratuitement? Moi, je vais laisser la part, Lolo. Lolo Mania, c'est ta attitude. Je vais chopper les dos là-bas. Pour toi. Vraiment. Vous croyez que les gens là vous aiment trop? Donc, quand vous venez faire, vous croyez qu'on vous aime trop? Ah bon? Ça me fait même là. Et qui est? Attendez un peu, je vérifie ça. Qui a pris le téléphone ici? Eh ben, ah, c'est ici. Attendez un peu, je vérifie. Ah bon? N'importe quoi. Attends un peu, je vérifie. Ah bon? Ah, j'ai vu. Je dirais après vous dire souvent que les gens qui vous adulent sur Facebook là, que vous ne connaissez pas la vraie vie, qui viennent sur vos murs, ils font vos éloges, ils font les posts sur vous là, ma, faites comme Emmanuel Keita, n'entrez pas, faites comme Emma Lolo, n'entrez pas n'importe où. Quand quelqu'un t'a insulté sur Facebook, même si la personne revient, maman, ne la prends plus. Quelqu'un qui ne te connaît pas,
qui ne t'a jamais vu, qui a seulement vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, elle vient comment t'insulter. Maman, ne la reprends plus. Moi, il y a des gens qui ont insulté Lolo, qui ne m'ont pas insulté, mais que j'ai déjà bloqué depuis. Je ne vois pas leur page. Je ne vois pas leur page. Même si demain, ils te voient rire avec Lolo, moi, tu ne pourras pas rire avec moi. Moi, tu pourras. Il y a les gens. Parce que même Lolo, je ne comprends pas ce que tu fais. Il y a des gens qui t'insultent au début. Tu n'as plus le droit de leur dire bonjour. Parce qu'avant, tu ne les connaissais pas. Après les réseaux sociaux, tu ne les connaîtras pas. Donc, tu coupes, tu as dit que tu bloques même. Il n'y a pas d'insulter, pardon, réinsulter, repardon. Ça n'existe nulle part. Une injure, tu bloques. Tu vas rencontrer d'autres personnes. Il y a des filles là qui ont insulté Lolo. Je les vois dans les directs bizarres. Moi, on m'appelle seulement. Moi, j'ai à bloquer depuis. Dès que Créé m'appelle, commencer à bloquer. Je cause quoi avec vous? J'ai mes Sylvia ici, là. J'ai mes bêtes. Les plus belles, les Manuel, là. Les Juliette. J'ai mes Jean, les Lydie. Mais je sais pas pourquoi je vais. Non, ne j'ai pas. Quelqu'un peut créer la page. Il fait tes éloges matin, midi, soir. Ne sois pas surpris que demain, cette personne t'insulte. Ne lui donne pas l'occasion. Éloge, merci. Tu peux seulement dire merci. Tu pars, tu commandes merci, tu t'arrêtes là. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. Tu pars peut-être, tu peux. Si elle a peut-être fait 6 pauses, on t'a bipé, tu dis merci, tu t'arrêtes là. Les gens sont méchants. Les gens sont méchants. Ah bon? Hein? C'est le deuxième buzz que je vois. Maman, à fin d'année, moi-même, le prochain direct, c'est sur le Maya Star Attitude. Abonnez-vous là-bas. On va faire le buzz ensemble. On va voir qui va gagner. On va faire le buzz. Le Lolomania Star Attitude. C'est là-bas que tout va se faire. Moi, je vais répondre là-bas. Oui. On a peur de personne. Vous avez compris quoi? On a peur de personne. Je ne ferai aucun direct concernant cette affaire sur cette page. Je ne suis plus bête. On a peur de personne. C'est la fin de mon direct. Allez, il a dit que Raven Biaya dit que on a peur de personne. Ça va se passer sur les Lolomaya Star Attitude. C'est la Russie qui a parlé. Rien ne se résout sur Facebook. On a peur de personne. Je répète encore, on a peur de personne. Tcha! Tout se passe sur les Lolomania Star Attitude. Donc, il paraît même que même mon audio est dehors. L'audio qu'elle m'a envoyé est dehors. Allez, un peu, ma vérifie. Me concerne même pas, pardon. Bonne journée à tous. Je vous laisse.